Avant qu'on commence, je voulais reprendre sur un point que j'ai trop délaissé, je crois. J'ai eu le temps un peu d'étudier le sujet et c'est très intéressant. On avait parlé de Calais à Bichoul. C'est quoi Calais à Bichoul? On avait dit qu'il existait certains aliments. Pour reprendre un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, on avait dit que Cleerichon, c'est l'ustensile initial dans lequel on cuit l'aliment. Et le clichéni, c'est le second ustensile, un verre, une assiette, etc. C'est là l'endroit où l'on va verser l'aliment en question. Très bien. Tosfot nous apprennent. Ouais, bon, il y a deux personnes qui rentrent maintenant. On avait dit dans Tosfot que le second ustensile. Attendez, je vais dire bonjour, Justin. Bonjour à Monsieur Sewalassé. Enchanté. Bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Cohen. Voilà. Pour reprendre, le Cleerichon et le Clicheni. Le Cleerichon, on avait dit, donc, c'est l'ustensile initial et le Clicheni, c'est le second ustensile. Dans le second ustensile, Tosfot nous apprennent qu'on ne pourra jamais cuire dans un second ustensile, c'est-à-dire que ça ne peut pas cuire. Est-ce que vous avez vu une fois, lorsque vous faites bouillir de l'eau? C'est à 100%, c'est à 100 degrés, c'est à ébullition. Lorsque vous versez directement de votre bouilloire dans un verre, jamais ça va continuer à bouillir dans votre verre. C'est impossible. Pour quelle raison? Parce que le froid du verre ou de votre assiette, okay, ça va donner un coup directement à l'aliment en question et ça va refroidir, ça va faire baisser directement la température. C'est comme ça. Okay? Donc le second ustensile. Ne va jamais pouvoir cuire. C'est-à-dire que dans l'absolu, on aura le droit de mettre un aliment qui n'aura jamais cuit. On aura le droit de mettre dans notre soupe ou n'importe. Okay, vous avez une soupe ou bien un verre ou n'importe. Okay, vous avez le droit directement de mettre l'aliment en question qui n'aura jamais cuit directement dans cette assiette sans aucun problème sur l'aliment qui est brûlant. Il n'y a pas de problème. Mais la Mishnah nous apprend qu'il existe certains aliments qui peuvent cuire très facilement. Très très facilement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon à la Halakhique, calé à bichoul, des aliments qui peuvent cuire très rapidement. Et donc, dans l'absolu, ces aliments-là, même si on les met dans le clicheni, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez votre soupe, vous l'avez vidée dans une assiette, il y en a certains qui vont vous dire qu'étant donné que la température ambiante de votre aliment, c'est un corps brûlant, 80 degrés, 70 degrés, n'importe, si vous mettez ces calés à bichoul-là, ces aliments qui peuvent être cuits très facilement, effectivement, même si c'est dans le clicheni, ça peut cuire. Ça peut cuire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ces calés à bichoul? On avait parlé du thé. On avait dit qu'effectivement, le thé, étant donné qu'il n'a jamais, jamais cuit au préalable, alors ça peut être considéré comme étant calés à bichoul, c'est-à-dire ces aliments qui peuvent cuire très facilement. C'est pour cela que, déjà, premièrement, évidemment, on ne peut pas verser directement du koumkoum de notre bouilloire directement dans le verre. Où il y a le thé à l'intérieur, ça c'est évident. Okay? Mais mis à part cela, on n'aura pas le droit de mettre notre sachet de thé dans ce verre. Okay? Il faut mettre dans un troisième verre. Okay? Dans le troisième verre, pourquoi? Parce que c'est possible que ces sachets de thé-là, ils vont pouvoir cuire avec la température ambiante de cette eau-là, qui est assez chaude, okay? 70 degrés à peu près. Okay? Ça va pouvoir cuire un petit peu. Okay? Très bien. On avait expliqué ça. Mais à part les sachets de thé, y a-t-il autre chose? Le Mishnah Berurah, Siman Shin Utret, Siman 318, il nous apprend que toute chose, je vais vous dire directement les références pour que ça soit plus simple, pour ceux qui veulent voir. Il dit comme ça, Mishnah Berurah, Alinéa. Hein? Une petite seconde, hein, je vous dis. Hein. Me souviens plus exactement c'est où. Ah oui, bah oui, logiquement. C'est dans le grand alinéa, la Mettet. Il dit là-bas que toute chose qui est coupée très finement, comme des épices,
ou bien des choses qui sont rakines, c'est-à-dire assez souples, assez molles, alors là, ça peut cuire facilement. Comme ça, il tranche le Mishnah Berurah. Selon lui, on a le droit de mettre aucune épice dans notre assiette. Vous avez une assiette de soupe, vous avez vidé votre soupe directement dans votre assiette. Votre assiette, on a dit, c'est le cliché. Selon le Mishnah Berurah, on a le droit de mettre aucune épice, ni du paprika, ni du poivre, ni rien dans cette assiette. Si on veut, il faut mettre dans une troisième assiette. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Mais le Rav Joseph, il dit non. Les épices, le sel, le poivre, le paprika, le cumin, vous voulez mettre des herbes de Provence, de l'origan, n'importe. Pour le Rav, on va dire, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on appelle Kalabichoul alors? C'est quoi ces paramétrages? Le Rav Joseph n'en parle nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Il rapporte juste une référence. Il dit comme ça dans le Chazon Vadia, le livre Chazon Vadia, page 379, volume 4. Il rapporte, il dit comme ça, Ve'ayen betvuot shamesh. Voir là-bas, dans le livre Tvuot Shamesh du Rav Shalom Messas, qui était le grand rabbin de Jérusalem à l'époque. Il dit juste ça. Et lorsqu'on voit là-bas, dans le livre Tvuot Shamesh, il dit la chose suivante. C'est très intéressant ce que dit le Rav Shalom Messas. Pour retrouver les paramétrages d'un aliment qui s'appelle Kaléhabichou, les choses qui cuisent très facilement. C'est quoi? Alors, Joseph, il dit que tout ça, c'est permis. Il dit permis, 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 permis. Alors, c'est quoi les choses qui sont interdites? Il dit comme ça, le Rav Shalom Essas, regarde ce que tu as l'habitude de cuire dans un Kli Rishon. Qu'est-ce que tu as l'habitude de mettre et de cuire dans ton premier ustensile, dans une marmite? La menthe, tu la mets dans une marmite? Oui, tu la mets dans une marmite. Le sel, tu mets dans une marmite, oui. Le poivre, tout ça, c'est dans une marmite. Alors, le Shabbat, ça sera un chinouille. Ça sera comme une certaine différence. Tu vas faire une différence de cuisson. Alors là, étant donné qu'il y aurait une différence que de manière habituelle, ok. Donc, tous ces aliments que, en général, en semaine, tu mets dans ton premier ustensile, dans ta marmite, lorsque tu vas mettre dans un cliché, ça sera permis. Ça sera permis. Pour ça que le poivre, le sel, le paprika, n'importe le cumin, tout ça en général, on le met dans notre marmite pour que ça cuise ensemble. Alors là, dans notre assiette, ça sera permis à 100%. Ça ne sera pas considéré comme étant calé à bichoul, selon le Rav Shalom Essas. Par contre, il considère l'œuf, un œuf, comme étant calé à bichoul. D'ailleurs, même le Rav Joseph, il dit que c'est considéré comme étant calé à bichoul. C'est-à-dire que dans l'absolu, si je prends de l'eau de mon koumkoum et je le verse dans un récipient, je n'ai pas le droit de prendre un œuf qui est cru et de le mettre à l'intérieur. Lorsque l'eau est encore brûlante. Pour quelle raison? Parce qu'il considère ça comme étant kalé habichoul, un aliment qui peut cuire facilement. Ça va cuire du moins même la surface supérieure de l'œuf, qui est le blanc d'œuf, ça va cuire un petit peu. Pourquoi il considère l'œuf comme étant kalé habichoul? On fait cuire en général un œuf. On fait cuire dans notre marmite. Donc, ça serait quoi le problème? Il explique la chose suivante, c'est très intéressant. À l'époque, je vous explique ce qu'il dit, hein. Mais à l'époque, pour faire cuire un œuf à la coque, comment ils faisaient? C'était très, très difficile. Dans le sable. Ou bien dans le sable, exactement. Ou bien une autre façon, ils prenaient de l'eau parce que c'était avec le feu et tout ça, c'était très difficile de savoir la température de l'eau. Alors, comment ils faisaient pour faire un œuf à la coque? Ils prenaient une eau qui avait déjà chauffé, qui venait de chauffer, ils le versaient dans un récipient. Et dans ce récipient-là, ils mettaient l'œuf. Donc, clicheni. Comme ça, il faisait cuire les œufs pour que ça devienne kalé habichoul. C'est pour ça que Maran Arav Yosef Zichrona Livracha, il considère l'œuf comme étant kalé habichoul. Parce que c'est la façon de cuire un œuf pour faire un œuf à la coque. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas un paramétrage assez compréhensible et assez clair selon l'avis du Arav Yosef à ce sujet. Et d'ailleurs, nulle part, à part le Mishnah Berurah où il interdit tout, tout. Tout ce qui est coupé finement, comme les épices, ou bien des choses molles, comme la menthe et tout ça, il interdit tout. Tout, 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 tout. Donc, on comprend pourquoi c'est considéré comme étant interdit. D'ailleurs, il faut savoir que la menthe, pourquoi on interdit de mettre directement des feuilles de menthe? Okay, les feuilles de menthe, encore une fois, lorsque je parle des feuilles de menthe pour autoriser, pour faire un thé, alors la seule façon de pouvoir utiliser des feuilles de menthe, même en général, même en semaine, c'est uniquement tout ce qui est traité dans des serres spécialisées.
Okay, comme ici en Israël, le gouche katif, etc. Parce que tout ce qui n'est pas traité de manière spécialisée, même si vous nettoyez même ce que vous voulez, même si vous lavez ça même pendant 1 heure, ça ne servira à rien. Il y aura toujours des bestioles à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est uniquement ce genre de menthe-là qui est traité de manière spécialisée. Faut savoir que la menthe, en général, lorsque vous la mettez dans l'eau chaude, tout de suite, elle se recroqueville et ça devient même noirâtre, comme ça. Ça devient noir. Ça s'appelle kalabichoul. Tout simplement, vous mettez votre menthe à l'intérieur de l'eau chaude, ça devient comme ça. Vous la retirez, elle est complètement recroquevillée, etc. Elle est noire. Donc, c'est ce qu'on appelle kalabichoul. C'est la chose normale, en général, que l'on fait comme ça. On met dans l'eau chaude et tout ça. Donc, c'est interdit de mettre directement votre thé, directement dans votre klishini, dans votre verre. Donc, on comprend à peu près le paramétrage. En tout cas, c'est ce que nous dit le Rav Shalom Messas. Compréhensible? D'ailleurs, vous allez retrouver ce paramétrage, vous allez le retrouver dans le Yabbi Omer, volume 7, Siman 53. OK? Dans Or HaChaim, il rapporte là-bas donc ce paramétrage, en tout cas, du Rav Shalom Messas. Question? Donc, du coup, on se base sur les habitudes d'avant, quoi. Donc, le fait, par exemple, qu'on mette dans les plats les œufs dans la première plat, on ne prend pas en compte de nos jours. Voilà, exactement. Ok. Exactement. D'autres questions? Disons qu'aujourd'hui, on dirait pour pas prendre de risque, si on ne sait pas trop si c'est calé à Bichoul, on peut toujours le faire dans un Kedish Lichi. Le thé, Ah, le café. ça, vous êtes sûr et certain que vous êtes tranquille. Ouais. Lorsque vous mettez dans un troisième verre, là, il n'y a plus de problème. Ça, selon tout le monde, on va plus. Selon certains Ashkenazim, ils sont très, très rigoureux à ce sujet. Ils disent tant que l'eau, elle n'a pas dépassé, ou bien l'eau, un autre aliment, il n'aura pas descendu d'un degré de 45 degrés. Donc, on peut considérer une cuisson, mais ce sont vraiment des avis assez rigoureux. Mais pour nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on arrive à Klitschlichi, il n'y a aucun problème. Mais le Klirichon en lui-même, c'est pas le Kumkum? Si, le Après, kumkum, ça va être moi, je le mets dans un le verre vide. Après, mon thé, en fait, il est dans le deuxième verre, en fait. Et voilà, le dans un deuxième verre. C'est ce qu'on appelle voilà. Klitschlichi. Voilà. Et Pêche je sais autorisée. qu'on n'a pas de retirer aussi le tilleul, en fait, le thé en lui-même. Le sachet de thé, on n'a pas le droit de le retirer aussi. Il y a aussi un Si, c'est lien. permis. C'est permis pendant Shabbat. On a droit de retirer? Oui. Ah ok. Oh. Toujours appris qu'on n'est pas droit de retirer en fait le thé en lui-même. On a le droit de retirer le sachet de thé. Ah C'est pas considéré comme étant boraire. Il faut savoir qu'il y a un grand klal dans les lois de boraire, une grande généralité dans les lois de boraire, dans les lois de c'est Tri. perturbant en fait. Vous nous dites ça là maintenant. Et dans plein de cours, même à Ella, tout ça, ils nous apprennent de ne pas retirer en fait le sachet de thé. C'est perturbant en fait. C'est perturbant, mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est uniquement l'avis du Rav Ovadia Yosef. Non, non, c'est très bien. Moi aussi, je suis le Rav Yosef. Ok. C'est ok. Maintenant, bon, et effectivement, encore une fois, sur chaque halakha, il y a des divergences d'opinion, mais je vais vous expliquer, c'est très important. Pourquoi je vous dis à chaque fois, quand on apprend la halakha assez poussée, assez approfondie, on comprend les raisons de chaque chose. Dans les lois de trier, il y a une grande généralité. On n'a pas le droit de trier le mauvais du bon. Ça, c'est interdit. Le mauvais du bon interdit. On n'a pas le droit de retirer le mauvais pour prendre le bon. Alors, vous allez me dire, le sachet de thé, vous enlevez le mauvais du bon. Mais non. Dans le thé, il y a encore des gouttelettes. Il y a encore du thé à l'intérieur. Donc, vous allez enlever le bon du bon. Dans les deux, il y a du bon. Donc, il n'y a plus de problème. OK. Peut-être qu'il veut dire le monsieur, c'est que après on peut avoir la tendance à essorer un peu le sachet. C'est peut-être ça qu'il veut dire, Non, non? essorer, c'est évident, c'est Non, sans interdit. l'essorer. Essorer, ça sort Shabbat. Je parle juste de le sortir en fait en lui-même, le sachet, c'est tout. Non, il n'y a aucun problème. Et même si vous le voyez, ça, le thé par lui-même, vous allez retrouver quelques copeaux même à l'intérieur du thé. OK? Quelques copeaux au fond de votre verre. Ça, c'est un peu le thé qui est ressorti de votre sachet. Vous voyez donc que vous n'êtes pas makpid, c'est-à-dire que les deux, en fait, c'est considéré comme étant ochel. Les deux, c'est considéré comme étant alimentaire. Vous vous en foutez, ce n'est pas grave pour vous. OK? Donc, ni l'un ni l'autre est considéré comme étant interdit. Il faut savoir une autre généralité. Ce que je vous ai dit maintenant, ce n'est pas juste dans certains cas. Il peut y avoir même un aliment qui est considéré pour vous comme étant obsolète, comme étant le mauvais du bon.
Par exemple, une personne qui n'aime pas les oignons, ok, il veut retirer les oignons de son plat, c'est interdit. Pour lui, Non, c'est de considéré comme côté. interdit. Donc, même aliment plus aliment peut être considéré comme étant le mauvais du bon. Ce qui est mauvais pour vous, ça va être mauvais. Mais là, vous voyez que votre sachet de thé, il n'est pas 100% mauvais parce que déjà, premièrement, il y a des gouttelettes à l'intérieur, il y a du thé à l'intérieur. Okay? Donc, ce n'est pas considéré comme étant mauvais. Et en plus, pour tout le monde, ce n'est pas mauvais. Et en plus de ça, au fond de votre verre, vous allez avoir même des copeaux de thé. Donc, même ces copeaux de thé-là, pour vous, ça va être consommable, ça va être bon. Donc, ce que vous avez retiré de votre sachet de thé, il n'est pas considéré comme étant l'obsolète, le mauvais. Donc là, c'est pour ça qu'on permet. Ok. On peut quand même trier sur dans un plat que des choses qu'on n'aime pas. Ah non, attendez. Sans les retirer, même sans les retirer? Alors, non. Moi, j'ai dit retirer le mauvais du bon, c'est interdit. Prendre le bon du mauvais, c'est permis. Ok. Par exemple, ça, c'était la grosse question par Nuance, rapport au c'est moi qui. poisson. Par rapport au poisson, comment retirer les arêtes, comment pas retirer les arêtes. Selon la halakha, étant donné que c'est quelque chose de dangereux, vous avez le droit de le faire à la main, donc de manière différente que de manière générale. Donc là, effectivement, là, il y a plus de problème. Mais on a le droit de prendre le bon du mauvais. Le mauvais du bon, c'est interdit. C'est-à-dire que dans un plat, j'aime pas les carottes, je peux pas les retirer. Sauf si vous le donnez à votre femme. Ok. Si elle n'aime pas ça, bah, c'est un Si, problème. elle aime, elle aime. Faut vite foncer chez le voisin avec. Ouais. Et là, c'est bon. Si elle rouvre. C'est un héros, ouais, on veut pas. On Vas-y, va arriver, je vous dis, on va arriver à la prochaine Mishpat. Donc, on continue. Ça, bon, c'était important de repositionner le cas parce que c'est vrai qu'on a un peu délaissé et c'est dommage. Pour revenir sur un autre sujet aussi, et c'est sur ça que Bezrat Hashem, on va essayer de développer. Il y a écrit comme ça, et Bezrat Hashem, on va essayer de faire une étude du Shulchan Aruch. On avait rapporté comme ça dans le Seif, si je ne me trompe pas. On était dedans de toute façon. On était dedans. Petite seconde, petite seconde, petite seconde. Oui, pardon, on était même dans le Seif d'Alet, on avait parlé de ça par rapport à cuisson après cuisson. Est-ce qu'il y a une cuisson après cuisson? Est-ce qu'il y a une cuisson après l'avoir mis au four? C'est-à-dire si vous avez du pain, est-ce que vous avez le droit de le cuire après ou pas? Est-ce que vous avez le droit de le réchauffer dans votre soupe? Bon. Est-ce que vous avez le droit de mettre des croûtons de pain qui ont cuit au four? Est-ce que vous avez le droit de le mettre directement dans votre marmite de soupe? C'est ce qu'on appelle, est-ce qu'il y a Yesh Bishoul Acharafia? Est-ce qu'il y a Shafia Acharibishoul? En tout cas, deux systèmes différents. Mais on n'a pas bien expliqué le sujet. Et je vais vous expliquer maintenant. Je sais que c'est un peu light, donc c'est pour ça que je me dois de vous expliquer les choses de manière beaucoup plus concise et beaucoup plus claire. Il y a une divergence d'opinion entre le Sefer Yerim, Rabbi Eliezer Mimitz, et le Rahavaya. Okay? Les deux, c'était des Rishonim, il y a à peu près 850 ans. Le Sefer Yerim, il dit comme ça, qu'effectivement, si tu as cuit quelque chose avant Shabbat, tu as cuit un poulet avant Shabbat, tu as le droit de le réchauffer sans aucun problème. C'est ce qu'on appelle En Bishoul Achar Bishoul. Il n'y a pas de cuisson après une première cuisson. Très bien. Il pense aussi, le Sefer Yerim, que si tu as cuit du pain au four, tu as le droit de le faire réchauffer dans ton four. Bien évidemment, on parle d'un four, Shabbat, etc. Bon, je ne parle pas de tous les autres problèmes à côté. On a le droit de réchauffer de la même façon que ça a été cuit. Ça a été cuit au four, tu as le droit de réchauffer au four, à part les autres problèmes. Ça a été cuit sur le feu, tu as le droit de faire réchauffer sur le feu, sans aucun problème. OK? Ce qu'on appelle en bishoul achar bishoul, en afia achar afia. Rester dans la même situation de base, tu as le droit de faire réchauffer. Mais le Sefer Yerim, il dit, par contre, tu n'as pas le droit de faire réchauffer d'une manière différente de laquelle ça a été chauffé au préalable. Ça a été cuit au four, tu n'as pas le droit de réchauffer ce pain-là sur ta plata pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de prendre des bouts de pain et de les mettre dans ta soupe directement dans la marmite pendant Shabbat. C'est interdit parce que là, pour quelle raison? Il dit le Sefer Yerim, pourquoi il y a une telle différence? Panim chadashot baolekan. C'est une autre cuisson. C'est autre chose.
tu mets différemment maintenant ta cuisson au préalable. Tu avais du pain pour manger du pain. Là, tu fais des croûtons. Là, tu en fais maintenant, tu mets du pain dans ta soupe. Là, donc, ça devient une cuisson. C'est comme si que tu améliores ta cuisson. Donc là, ça devient une problématique. Ça devient un problème. C'est pour cela que selon le Sefer Yerim, Yesh Afia Bishul, Yesh Bishul Afia. En tout cas, lorsque tu changes la cuisson originale, okay, c'est comme si tu faisais une nouvelle cuisson. Parce que là, tu changes la manière dans laquelle tu as cuit au préalable. C'est compréhensible ? Oui, mais on se pose quand même la question de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas différencier le cas du four et de la plata, par exemple ? La plata, on peut considérer que c'est une cuisson qui est très cale par rapport au four. C'est-à-dire que son cas, il pourrait dire, si j'ai cuit mon pain au début sur la plata, que je ne puisse pas la cuire dans le four pendant Shabbat, ça se comprend. Mais si je l'ai cuit au début pendant Shabbat, est-ce que vraiment le mettre sur la plata, c'est une autre cuisson ? C'est un peu plus difficile à entendre. C'est vrai, vous avez raison. Alors, peut-être on pourrait se poser la question ici, mettre du pain, selon le Sefer Yerim qui est interdit, mettre du pain qui a cuit au four sur une plata, ça peut être considéré comme étant le four, c'est la même chose. Peut-être. Mmh. Peut-être. Je laisse d'écouter ça. On avait dit que c'était permis. Oui, oui. Je ne parle pas de la halakha brasse, je parle selon l'avis qui est interdit. Le Sefer Yerim. Sefer Yerim. Okay. Très bien. Mais vous avez raison. Allez-y, dites-moi. Je disais que quand nous, on a dit qu'on l'a mis à cuire dans le four, on parle dans le plat général ou bien moi particulièrement, je l'ai mis dans le four ? Vous. Parce qu'imaginons, par exemple, le plat, on le met par exemple, dans le four, sauf moi, j'ai voulu le mettre sur, je sais pas moi, sur une grillade, par exemple. Est-ce qu'on regarde par rapport à comment moi je l'ai mis ou bien comment en général on le met ? Bah, vous parlez exactement du cas type qui est rapporté dans les poskim, que pour comprendre le Sefer Yerim, c'est très intéressant. Vous faites cuire de la viande dans votre mijoteuse. OK ? Et après, vous prenez cette viande-là, vous la faites griller. C'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. C'est une autre cuisson. C'est un autre plat. Ça, c'est l'avis du Sefer Yerim. Pour quelle raison il y a un problème de cuisson après une autre sorte de cuisson ? Parce que tu changes complètement l'état. Mais là, on parle de chacun, comment il est. Si toi, tu l'as fait de cette façon, c'est bon. OK ? Tout dépend de chacun, évidemment. Comment toi, tu l'as cuit au préalable ? Donc ça, c'est l'avis du Sefer Yerim. Le Ravaya, il n'est pas d'accord. Il dit que tu l'aies cuit, que tu l'aies chauffé au four, que tu l'aies grillé au feu, de n'importe quelle façon tu l'as cuit au préalable, même si tu fais réchauffer d'une manière différente que de la façon tu l'as cuit au préalable, il n'y a aucun problème. Pour quelle raison ? Parce que étant donné que maintenant, qu'au préalable, il était consommable de cette façon, il restera consommable après. De n'importe quelle façon, tu vas réchauffer après. Il n'y a aucune différence. À partir du moment où c'était consommable, tu pouvais le manger de cette façon. Pour tout le monde, tu aurais pu le manger de cette façon. C'est considéré comme cuit à 100%. Donc, même si je change, quoi, si je coupe différemment, j'en fais des petits carrés et avant, c'était des petits ronds, ça différerait la halakha ? Non. Aucune différence à la rique. À partir du moment où c'était mangeable et que tout le monde aurait pu le manger de cette façon, alors là, il n'y a plus de cuisson. Après cuisson, de n'importe quelle façon tu vas réchauffer ton plat, il n'y a aucun problème. Ça, ce sont les deux avis. Le Sefer Yerim et le Ravaya. On avait tranché la halakha selon le Shulchan Aruch qu'effectivement, il n'y a pas de problème de cuisson après cuisson. Il n'y a pas de problème de cuire après que l'aliment en question a été torréfié, comme du café. C'est pour cette même raison qu'on a le droit de verser directement de notre koumkoum dans notre café. Étant donné que notre café il a été torréfié, il faut savoir que le café turc en Israël, c'est un café qui a été torréfié. Le café Namès en Israël, c'est un café qui a été cuit. Okay, il y aura une différence entre les deux cas, entre les deux cafés pour les Ashkenazim qui tranchent la halakha comme le Sefer Yerim. Okay, pour eux, ils auront le droit de verser directement dans le café Namès, ce qu'on appelle le café Namès en Israël, alors que dans le café noir, interdit pour eux. Okay, c'est la différence qu'ils auront. Mais en tout cas, on comprend, selon le Shulchan Aruch, ils tranchent la halakha comme le Ravaya, qu'il n'y a aucune cuisson après cuisson. De n'importe quelle façon, tu vas réchauffer ton plat, il n'y aura aucun problème. C'est-à-dire que dans l'absolu, tu peux mettre ta challah dans ta marmite pendant Shabbat, ta marmite est vide, okay, tu as le droit de mettre une halakha, tu n'as pas envie de mettre directement sur la plata pour pas que ça brûle, tu as le droit de prendre une marmite et de mettre directement dedans, n'importe. Je ne sais de quelle façon, mais en tout cas, tu as le droit de chauffer de n'importe quelle façon, même si
la cuisson n'a pas été la même au préalable. Une question? Oui. Oui. C'est du même sujet au niveau de Pessah. Par rapport à la matza, nous on avait l'habitude à l'époque, quand on était en France, de casser la matza dans le psoki, en fait. J'ai utilisé en fait le psoki avec les légumes, tout ça. Des années on a fait ça, après on nous a dit que c'était interdit. Mais en fait, il s'avérait que c'était pour les Ashkenazes. On a tout à fait le droit. Voilà, mais nous, pendant quelques années, on a arrêté parce qu'on croyait que c'était interdit, en fait. Alors, je vais vous expliquer. Pour les Ashkenazim, eux, c'était interdit pour autre chose. Par rapport au Bichoul, c'est par rapport à Shrouya. Une matza qui rentre en contact avec de l'eau, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Donc, ouais, lorsque vous avez une matza dans votre souki, ok, c'est vrai, c'est de l'huile, c'est pas de l'eau. Non, je rigole. C'est, étant donné que il y a une humidité, donc il pourrait y avoir un problème de khametz. Mais bon, ça, c'est pour les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, si Pessah tombe Shabbat et tout ça, vous avez tout à fait le droit de mettre votre matza directement dans votre marmite et de faire cuire avec comme ça, même pendant Shabbat. Okay. C'est le cas, c'est exactement le cas. Voilà. Vous avez le droit de prendre les matza, de le décortiquer dans votre repas, même si c'est dans votre marmite. Très bien. En tout cas, ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. On comprend bien. Même en tout petit morceau, immunité, on a le droit. Comment ? Immunité, on a le droit, un tout petit morceau. On aura le problème de couper en fin morceau, j'ai oublié comment ça s'appelle, la melacha. Tochen. Un tout petit morceau. Ouais, Tochen, exactement. Moudre. Ouais, pardon, moudre. On aura le droit la matza, la moudre en tout petit morceau. On a une généralité dans la halakha, ça aussi. En tochen achar tochen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit de moudre après que ça a été moulu une première fois. La farine, elle a été moulue. Le blé, il a été moulu. Après, c'est vrai qu'on a fait devenir une pâte avec de l'eau, des œufs, etc. Après que c'est devenu du pain ou une matza, c'est plus grave. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Étant donné qu'il y a déjà une première moulure, vous avez le droit de moudre après. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de tochen. Pareil pour les légumes, du coup, c'est ça, pour Shabbat. Non, les légumes n'ont jamais été coupés au préalable. Ok. Donc, selon la halakha, on a le droit de couper finement. On a le droit de couper finement. D'ailleurs, c'est beaucoup, c'est bien meilleur lorsque c'est coupé finement. Okay, vous avez le droit de couper finement si c'est pour le moment même. C'est-à-dire que si c'est pour votre repas, pour les salades, etc., il n'y a aucun problème. Ok, merci. Tov. Ça, je voulais expliquer. Maintenant, on va prendre. Ça, c'est l'étude que je voulais faire aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et j'espère qu'on va ressortir avec beaucoup de connaissances grâce à ce Shulchan Aruch. C'est justement par rapport à ça. Dans le Shulchan Aruch, sur le même sujet, hein, Ravaya et Sefer Yarim, ceux qui ont le Shulchan Aruch Mishnah Bura, s'ils peuvent le prendre dans le Seif He. On va essayer d'apprendre comment le Shulchan Aruch a tranché cette halakha. C'est très intéressant. Shulchan Aruch Siman Shinutret Seif He. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Yesh Mishé Omer, des davar shenefa o shenisla, im bishlo acharkach bemashke, ishbo mishum bishul. Et asur liten pat afilu biklishini shayat le detbo, veyesh matirim. Je vous explique. Shulchan Aruch, comme on a dit au préalable, il rapporte deux avis. Premier avis, il y a certains qui pensent. Donc ça, c'est l'avis, il semblerait que c'est l'avis du Sefer Yerim. Il y a certains qui pensent que quelque chose qui a été cuit au four ou bien qui a été grillé au feu, si après on veut le réchauffer en bichoul, c'est-à-dire une cuisson sur le feu directement, étant donné que celle-là, c'est une cuisson différente de la manière dont ça a été cuit au préalable, bamashke, c'est-à-dire dans de l'eau ou bien dans une soupe ou n'importe, Yeshbo Mishum Bishoul, c'est interdit. Parce que selon cet avis, le Sefer Yerim, changer la cuisson qui a été faite au préalable s'appelle cuire. Même si ça a cuit à 100%. Ok, ça c'est ce qu'on a dit au préalable, c'est le Sefer Yerim. Il continue le Shulchan Aruch. On ne comprend pas vraiment pourquoi le Shulchan Aruch dit ça juste après. Va sur l'iten pat a filou biklishini shayat sur les deadbo. Et il est interdit de prendre du pain. Donc, ça a été cuit au four, de prendre du pain, même dans le klisheni
de prendre ce pain-là, vous avez versé votre soupe dans votre assiette, même ce pain-là, qui a été cuit au four, on n'a pas le droit de le mettre en petits morceaux dans votre soupe qui est dans votre assiette. Klisheni, shayat soledet bo. Lorsque votre soupe a une température ambiante de à peu près 45-50 degrés. Veyesh matirim, il y en a qui autorisent. Pourquoi le Shulchan Aruch en plein milieu nous rapporte cette halakha? Pourquoi il dit cette halakha en plein milieu? Est-ce que vous avez déjà compris le Shulchan Aruch ou pas? Ça, c'est la première chose que je vais vous demander parce que sinon, tout le cours, il va partir en live. Vous pouvez répéter juste le premier, je n'ai pas très bien entendu, s'il vous plaît. Alors, le premier, c'est l'avis du Sefer Erim qu'on a dit au préalable. Lorsque vous avez un plat qui a été cuit au four, ok, du pain, ok, l'exemple type, c'est le pain qui a été cuit au four. Et après, vous voulez prendre ce pain, vous voulez le réchauffer pendant Shabbat, vous voulez en faire des petits morceaux ou bien la matzah. Vous voulez en faire des petits morceaux dans votre marmite. Ok, dans votre marmite avec votre soupe, etc. Est-ce que vous avez le droit ou pas? Alors, selon le Sefer Erim, étant donné qu'on change de la cuisson qui a été faite au préalable, c'est vrai que ça a cuit à 100% votre matzah. C'est vrai que votre pain, il a cuit à 100%. Mais étant donné que là, vous changez pour réchauffer d'une manière différente de la cuisson qui a été faite au préalable la première fois, donc là, c'est interdit de cuire. Ça s'appelle Yesh Bishul Harafia. Il y a cuisson, après il y a fia. Ok? Ok, merci. Et le Shulchan Aruch en plein milieu, il nous rapporte un autre cas pour le pain, interdit même d'en faire des petits morceaux, même dans votre assiette, tant que votre plat qui se trouve dans votre assiette, il a une température de à peu près 45 degrés. Il y a de soleil d'être beau. Veillez, je m'attire, mais il y en a qui autorisent. Oui, Michael? Bon, je suis pas sûr que ce soit, enfin, on dirait pas comme ça que ce soit à première vue un autre cas. Réellement, en fait, il continue toujours dans la vie du Sefer Yerim, puisqu'il nous a dit que si on changeait de type de cuisson, alors c'était interdit. Or là, notre pain qui a cuit au four, grosso modo, il nous dit que c'est interdit de le faire cuire dans notre soupe. Là où c'est plus problématique, enfin, ça me pose un problème là, c'est qu'ils disent, même dans un kelicheni, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous préciser ça? Pourquoi? Voilà, ça. Mais par contre, le cas de le fait de le mettre dans la soupe, si effectivement elle est chaude, c'est effectivement une autre cuisson, et là, on peut l'entendre. Moi, je suis d'accord avec vous. Mon problème, il est quoi? C'est qu'il nous dit une généralité au début. Il dit, tu changes de cuisson, c'est un problème. Déjà, pourquoi tu nous rapportes une dougma, un exemple? Déjà, premièrement. Et deuxièmement, et tu nous changes les donnes. Même dans un klisheni, c'est interdit. Alors, je ne comprends pas. Déjà, c'est la première question. Deuxième chose, Shulchan Aruch continue, ve yesh matirim. Et il y en a certains qui autorisent. Ce yesh matirim, là, il y en a certains qui autorisent quoi exactement? Le premier cas ou le deuxième cas? Est-ce que le Shulchan Aruch, lorsqu'il nous dit, il y en a certains qui autorisent, il y en a certains qui autorisent quoi? Le fait qu'on a le droit de réchauffer sur un autre mode de cuisson de notre pain, on a le droit de le mettre dans notre soupe, directement dans la marmite, ou bien Yesh Matirim, il y en a qui autorisent de mettre le pain dans un klisheni. Il autorise quoi exactement? Il semblerait qu'il s'agisse de deux cas différents. Regardez bien, je le relis encore une fois. Dites-moi, n'hésitez pas, messieurs, vraiment, je le redis. Si vous ne comprenez pas un truc, etc., je répète, parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Le Shulchan Aruch, il dit, Yesh Mishomer, Dedavar, Shenefa, Onisla, Im Bishlo, Harkar, Bemashke, Yeshbo, Mishum, Bishul, Veasur, et il est interdit, Niten Pa, Tafilu, Beklishini, Shayel, Sededbo. Donc, il semblerait qu'il s'agirait de deux cas distincts. Donc, lorsque le Shulchan Aruch nous dit, Veyesh Matirim, il y en a qui autorisent. Il autorise quoi exactement? Le premier cas, donc changer le mode de cuisson. Ce pain, il a déjà cuit au préalable, évidemment. Est-ce que j'ai le droit de changer maintenant le mode de cuisson pour réchauffer ce pain-là? Ou bien c'est interdit? Shulchan Aruch, il dit pour le premier cas, c'est interdit. Et le deuxième cas, il nous rapporte que c'est interdit de prendre du pain et de mettre dans un klisheni. Alors, le Yesh Matirim, il vient sur ça ou sur le premier cas? Là est la question. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, il n'y a pas un cas de Yesh Veyesh, hein, d'accord. Alors, on ne parle pas encore de ça. Là, on parle. Si, il y a deux Yesh. Il y a un Yesh Miché Omer que c'est interdit, Veyesh Matirim. Mais mon problème, c'est ce Yesh Matirim. Est-ce qu'il se base sur le premier cas du Shulchan Aruch ou sur le deuxième exemple du Shulchan Aruch? Est-ce que c'est un seul cas ou alors c'est deux cas?
Est-ce que c'est un seul cas ou c'est deux cas? Là, c'est un clalouprate, c'est un cas Voilà, général. bon, là vous rentrez dans un autre niveau. Je veux pas spoiler, mais le Rama, il donne la réponse, en fait, juste après. Ah, il y a Féméode. Vous dites quelque chose d'extraordinaire, Michael. Le meilleur Rama, il vient et il dit Aga, Biklisheni. Ça veut dire que quoi? Biyesh Matirim, il y en a certains qui autorisent. Et le Rama, le Ravi Serlitch, il vient et continue la phrase du Shulchan Aruch. Biklisheni, il y en a qui autorisent Biklisheni. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, il viendrait autoriser dans ce Yesh Matirim uniquement le second cas et non pas le premier cas. Donc, si on lit comme ça, comme vous dites, le Shulchan Aruch, on dirait comme ça, et je vais essayer d'être le plus simple possible, et je répète, et c'est pas grave si je suis répétitif, hein. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que là, c'est une vraie étude de comment on lit un Shulchan Aruch. Je relis le Shulchan Aruch. Il y en a certains qui permettent que quelque chose qui a cuit, pardon, il y en a certains qui disent que quelque chose qui a cuit au four ou bien qui a été grillé au feu, il est interdit de changer le mode de cuisson pendant Shabbat et de le réchauffer, même si c'est cuit à 100% au préalable la veille de Shabbat, interdit de le réchauffer dans un mode de cuisson différent. OK? Premier cas. Deuxième cas, il est interdit de chauffer du pain, même dans un klisheni, de prendre du pain et d'en faire des morceaux dans notre soupe, c'est le cas type, okay, dans notre soupe qui se trouve dans mon assiette, tant que ma soupe elle est chaude à une température de Yad Soledad Bo. Mais Yesh Matirim, il y en a certains qui autorisent que quoi? Biklisheni. C'est autorisé de prendre ce pain-là et de le mettre dans ma soupe. Ça veut dire que le Shulchan Aruch ne vient jamais autoriser changer le mode de cuisson d'un aliment. Donc, il trancherait la halakha comme ce qu'on a dit au préalable, le Sefer Yerim. Si on lit comme le Rama, tout ce qu'on a dit avant, le café, café turc, café namès, etc., on interdit tout. Quelque chose qui a été torréfié, ça a torréfié où? Au four, je n'ai pas le droit de verser dessus de l'eau chaude. Donc c'est très intéressant. Comment on va lire ce Shulchan Aruch? Le Rama, il vient de nous apprendre quelque chose de très intéressant. Le Rama, chaque mot qu'il dit, il est mesuré. C'est un Gaon Olam, le Rama. Lorsqu'il vient nous dire ici le Rama, Biklisheni, il vient nous expliquer, il semblerait qu'il vienne nous expliquer le Yesh Matirim du Shulchan Aruch. Ça, ce que je vous dis maintenant, comme ça ils ont compris, comme ça il a compris déjà le Rama, mais comme ça il a compris le Mahamar Mordechi et le Nahar Shalom. Ok, ce sont deux grands poskim séfarades. Comme ça il tranche la halakha comme le Rama. Ben, excusez-moi, Oui. j'ai juste une question. Oui. Pourquoi on trancherait comme le Rama? Parce que c'est Yesh, Veyesh, Veyesh. Donc le Non, troisième. on ne vient Ben, pas trancher comme le Rama. Ils viennent expliquer le Mahamar Mordechi et le Nahar Shalom, que le Rama ne vient pas ici trancher une halakha, il vient juste expliquer le Shulchan Aruch. alors ça voudrait dire que le troisième Yesh, en fait, que le Rama explique, il dit que le Shulchan Aruch, il veut dire par là que c'est dans un cliché. Il vient juste expliquer le Rama, effectivement, comme vous venez de dire. Que le deuxième Yesh Matirim, que celui qui vient autoriser, que le Yesh Matirim à la fin, que celui qui vient autoriser, il vient autoriser uniquement le deuxième cas du Shulchan Aruch qui est par rapport à un klisheni, mettre du pain dans un klisheni. Il y en a certains qui autorisent. Mais il vient jamais autoriser, selon ce qu'il dit le Rama, selon ce qu'il vient d'expliquer le Rama, il vient jamais autoriser de changer un mode de cuisson. C'est interdit. Il semblerait, selon le Rama, que le Shulchan Aruch vient interdire dans tous les cas changer un mode de cuisson, c'est-à-dire quelque chose qui a été torréfié, interdit de verser directement de l'eau du concombre dessus. Prendre du pain et le mettre directement dans ma marmite, interdit. Prendre la matza et mettre comme vous avez dit tout à l'heure, un Suki. msouki, voilà, pardon, un msouki, c'est interdit. Donc, selon ce qu'il dit le Rama, le Shulchan Aruch ne vient aucunement autoriser ce genre de choses. Tant que tu changes le mode de cuisson, panim chadashot baolekan, là tu changes complètement le façonnage de ton aliment. Donc là, il y a une amélioration,
Et donc là, effectivement, il y a un problème de cuisson pendant Shabbat. Comme ça, le Rama donc vient expliquer, vient pas trancher, vient expliquer le Shulchan Aruch, vient expliquer le Shulchan Aruch, et comme ça, tranche la halakha, le Mahamar Mordechi et le Nahar Shalom, que effectivement le Rama vient ici expliquer le Shulchan Aruch, et comme ça, il semblerait qu'on tranche la halakha. Donc le Shulchan Aruch, en fin de compte, lorsqu'il dit Yesh Materim, il n'autorise pas de changer le mode de cuisson. Il tranche la halakha comme le Sefer Yerim. Donc comme ça, pense le Mahamar Mordechi et le Nahar Shalom. D'ailleurs, le Rav Shalom Estas tranche comme le Mahamar Mordechi et le Nahar Shalom, que c'est interdit de prendre du café qui a été torréfié donc au four et de verser de l'eau bouillante par-dessus parce que là, c'est un autre mode de cuisson. Sur ça, il se tient le Rav Messas. Maintenant, on comprend donc l'avis du Rav Messas. On comprend la différence qu'il y a entre l'avis du Rav Messas et ce qu'on va voir maintenant, l'avis du Rav Ovadia Yosef. Donc, le Rav Messas, il n'autoriserait pas de mettre la matzah dans le msoki. Il l'interdirait. Il interdirait, c'est ça. Oui, exactement. Mais vous avez pris que le msouki, vous n'avez pas pris le café. Non, mais je veux dire que ça il interdirait. Il interdirait beaucoup de choses. Alors dans ce cas-là, tu peux pas mettre de pain dans ta soupe, tu peux pas mettre, il y a plein de choses. Exactement, exactement, exactement. Le café, on n'a pas le droit de verser directement. Oui, le café, exactement, le café. Ouais. Changement de mode de cuisson. Mais regardez comment la Torah elle est extraordinaire. Et regardez comment les choses des Ezrat Hashem, on les comprend. Selon l'avis du Rav Yosef. Le Rav Yosef, pendant des années, il a tranché la halakha contre le Mahamar Mordechi, contre le Nahar Shalom et contre le Rav Messas. Ils sont tous tombés sur la tête, au Rav Ovadia. Donc, on se dit, mais non, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On regarde le Rama, etc. Très bien, très bien. Mais le Rav Ovadia, il n'a jamais été d'avis comme ça. Il a dit que le Rama, il ne vient pas expliquer le Shulchan Aruch, il vient donner son avis. Et donc, lui, il pensait pendant des années le Rav Yosef, que lorsque le Shulchan Aruch dit Veyesh Materim, il vient autoriser tout. Il vient autoriser autant le premier cas du Shulchan Aruch, c'est-à-dire changer le mode de cuisson, autant Beklisheni. Il n'y a aucun problème selon Rav Ovadia. Mais personne n'arrivait à comprendre son avis. Le Rav Yisraël Yosef Shlita, le grand rabbin d'Israël actuel, il était parti à Djerba il y a à peu près 25 ans. Il y a 30 ans à peu près, il était parti à Djerba. Et ils ont fait un magnifique cadeau, les Djerbiens. Il y a deux sets originales du Shulchan Aruch. C'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch Avachur. Le Shulchan Aruch célibataire. C'est quoi le Shulchan Aruch célibataire? C'est le Shulchan Aruch avant que le Rama ait été écrit dessus. Parce qu'après, il y a eu le couple, Shulchan Aruch et le Rama. Shulchan Aruch, donc la première édition du Shulchan Aruch qui est sortie lorsque le Rabbi Yosef Karo il était encore en vie. Dans les années Tafshin, je l'avais écrit tout à l'heure, Shin Tetvav. Dans les années Shin Tetvav, il y a 460 ans. 490 ans même. Et donc, il était encore en vie. Ils l'ont remis au Rav Yisraël Yosef, un premier set du Shulchan Aruch à Bachur. Et lorsqu'il a reçu ça, il a tout de suite essayé de vérifier certaines différences de langage, certaines choses. Et regardez comment c'est extraordinaire certaines fois. D'où l'importance, lorsqu'on écrit même un livre d'Alakha, au Hachem, c'est ce que j'ai réussi à faire, mais comment c'est important de connaître l'Alakha avant d'écrire l'Alakha. Les imprimeurs, ils font pas attention. Les relecteurs, ils font pas très attention à ce genre de choses. Et regardez comment les choses, ils ont changé. Le Shulchan Aruch, il écrit chez nous la chose suivante. Yesh Mishé Omer, de Davar, Shenefa, Onisla, Im Bishlo Acharkach, Bemashke, Yeshbo Mishum Bishul. Ve Asur Li Ten Pat, Donc, on comprend que c'est deux cas et on comprend le Rama. Mais dans le Shulchan Aruch Abachur, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit la chose suivante. Yesh Mishé Omer, de Davar Shenefa Onisla, Im Bishlo Acharkar Bemashke, Yeshbo Mishum Bishul. Ve Asar, Li Ten Pat, Afilu Bekli Sheni, Shayat Soledetbo. Dans notre édition, il rajoute un vav, Véasour. Il semble donc qu'il s'agit d'un autre cas. Lorsqu'il dit Véasar, c'est le même possède qui a interdit ça, il interdit aussi ça. Donc le Sefer Yerim, lorsqu'il interdit de changer le mode de cuisson, il interdit aussi de mettre du pain dans un klisheni. Véyesh Matirim.
Le Yeshma Tirim, il se base sur quoi? Sur un second avis, sur tout le Shulchan Aruch, sur tout le Shulchan Aruch. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ce que pendant des années, le Rav Yosef, il a crié sur tous les toits, et dit, on ne peut pas se tenir sur une simple lecture du Shulchan Aruch et du Rama. On ne peut pas se tenir. Vous savez, le Maharshal, dans le traité Sota, 22a, Kavbet Amoud Aleph, il dit là-bas, le Maharsha, que toute personne qui se base sur une halakha, Bessifra Kitsurim, sur des livres abrégés, ou Echad Mimachive Aolam, c'est un des destructeurs de ce monde. Un homme, un rave, il ne peut pas se tenir sur une halakha type écrit en abrégé. C'est impossible. Lorsque vous allez lire le Shulchan Aruch, vous allez dire comme le Rama. Vous allez dire comme le Nahar Shalom, vous allez dire comme le Ma'amar Mordechai, vous allez dire comme le Ramessas. Mais on ne peut pas se tenir seulement sur une lecture simple. Lisez donc le Beit Yosef. Regardez ce qu'il dit le Beit Yosef. Et on comprend maintenant le Shulchan Aruch dans l'ancienne édition. Regardez ce que dit le Beit Yosef. Au tout début, dans le Seifé, justement dans ce même Seifé, je ne veux pas vous lire le Beit Yosef parce que vous ne l'avez pas spécialement devant vous. Mais il apporte là-bas les deux avis. L'avis du Sefer Yerim et l'avis du Rahavaya. Sefer Yerim, donc, qui interdit le changement de mode de cuisson. Il dit comme ça. La seule nasmag, etc., passa, kagon, rabbi, les herbes, mimides, etc., que c'est interdit de changer le mode de cuisson. Très bien. Ilkar, yizaher adam, shelo iten pat afuya, afilu beklisheni. Qu'est-ce qui dit ça? C'est le Sefer Yerim. Il pense, le Sefer Yerim, que du fait que là, tu vas changer le mode de cuisson. Donc, lui, il pense aussi le Sefer Yerim. En d'autres termes, il rajoute même une halakha dedans. Il dit, le pain, attention, ne le mets pas dans un cliché ni. Et après, aval, aravaya, choleg, versover, chen, il n'y a pas de problème de changer le mode de cuisson et tout ça. Donc là, nous avons le premier avis qui rapporte deux halakhot distinctes, certes, et ensuite, l'avis du Rahavaya. Le Rahavaya, lui, il pense différemment du Sefer HaYerim sur le mode de cuisson. La divergence d'opinion qu'il y a entre le Sefer HaYerim et le Rahavaya, c'est uniquement est-ce qu'on a le droit de réchauffer sur un mode de cuisson différent ou pas. C'est ça la divergence d'opinion qu'il y a entre les deux. Le cas qui rapporte en plein milieu le Sefer HaYerim en ce qui concerne ne pas mettre le pain, etc., dans un cliché ni. Juste, il rapporte en plein milieu, comme ça, il rajoute une autre halakha en ce qui concerne le mode de cuisson. Mais lui, le Ravaya, il vient trancher différemment que le Sefer Yerim en disant que non, il n'y a pas de problème de changer le mode de cuisson. Donc, lorsque le Shulchan Aruch, il nous rapporte Yesh Mishé Omer, des Davar, Shenefa, Onisla, Imbishlo, Harkar, Bemashke, Yeshbo, Mishum, Bishul, Veasin, Litenpa, Tafilu, Biklishni, Shayat, Soledetbo. On comprend qu'il s'agit du Sefer Yerim qui vient. Il rapporte donc les deux cas que le Beit Yosef rapporte très très bien. Mais Yesh Matirim, il y en a d'autres qui autorisent. Ils autorisent quoi? On n'a jamais vu dans le Beit Yosef qu'il y en a un qui autorise Biklishini ou pas Biklishini. On n'a jamais vu une divergence d'opinion telle dans le Beit Yosef. La seule divergence d'opinion, c'est au sujet du mode de cuisson. Est-ce qu'on a le droit de changer le mode de cuisson ou pas? Sefer Yerim interdit, Ravaya permis. Donc lorsqu'il dit le Shulchan Aruch Yesh Mishé Omer que c'est interdit, Veyesh Matirim, il autorise quoi? Le mode de cuisson différent. On comprend maintenant l'importance lorsque nous avons un Shulchan Aruch qu'il ne faut pas simplement l'étudier comme ça. Il faut lire le Beit Yosef. On voit bien dans le Beit Yosef, c'est quelque chose d'explicite. C'est le Sefer Yerim qui rapporte justement ce cas-là précis que rapporte le Shulchan Aruch en deuxième. Mais c'est le Ve'asar. C'est qui Ve'asar? C'est le Sefer Yerim, ce n'est pas Ve'asur. Ce n'est pas Ve'asur, c'est Ve'asar. Et lui-même a interdit de faire comme ça, de mettre dans un cliché net, etc. Ve'yesh Matirim vient autoriser quoi? Beit Yosef rapporte Ve'yesh Matirim, le Ravaya. C'est autorisé de faire le second mode de cuisson. Donc là, on en arrive à une grande généralité. Yesh, Ve'yesh, Alakha, Ke'yesh, Batra. Donc, automatiquement, vous n'avez aucun problème de faire du café pendant Shabbat. Vous n'avez aucun problème de faire du msouki pendant Shabbat. Ah, aussi bon que le souki là. Quelle question hein. Oui. Du coup, Rabbi Yosef, il apprend quoi du fait qu'il a ramené un exemple au cas général? Genre, il n'aurait pas ramené un exemple comme ça
Parce que le cas particulier, on peut le déduire du cas général. Donc, si nous l'a amené ici, le BTSF, c'est que. Je sais là où vous voulez en venir, vous voulez parler de Pradouklal, etc. Mais en réalité, le Choukhanaouk, il s'est pas basé sur ce mode d'apprentissage halakhique. C'est un peu compliqué. Mais c'est juste basé sur deux avis distincts. Le Sefer Erim rapporte le cas général, comme vous avez dit, interdit de changer le mode de cuisson. Et après, il rajoute le Sefer Erim. C'est pour cela qu'il faut faire attention. En fait, il faut lire le Beit Yosef pour comprendre pourquoi le Sefer Erim rapporte un cas différent en disant faire attention de ne pas prendre le pain et de mettre dans un klishéni, tout ça. Il faut comprendre parce qu'il rapporte un mode de cuisson par rapport à Pessah, etc. Bon, ce n'était pas le moment vraiment de développer aussi le sujet. D'accord. Mais le Sefer Erim, en réalité, il va juste jeter un cas comme ça et dire que ça, ce mode de cuisson, c'est interdit pendant Shabbat. Mais lui, le Shulchan Aruch, en fin de compte, il ne se base pas sur cette divergence d'opinion. Est-ce que permis dans un klishéni, est-ce que pas permis? Non. Le Beit Yosef, il ne parle pas du tout de cela. Si vous voyez dans le Beit Yosef, d'ailleurs, c'est assez long, le Beit Yosef. Il parle vraiment de cette divergence d'opinion qu'il y a entre le Sefer Erim et le Ra'avaya. Donc, en fin de compte, lorsque Shulchan Aruch rapporte les deux avis distincts, il rapporte les deux gros avis qui sont rapportés dans le Beit Yosef, Sefer Erim et Ra'avaya. Il y en a certains qui interdisent, donc le Sefer Erim. Il y en a d'autres qui permettent, c'est le Ra'avaya. Donc, lorsqu'il vient, il dit, il est Yesh Matirim, il ne se passe pas sur le klishéni. Il se base uniquement sur le fait qu'il est autorisé de faire un autre mode de cuisson, de chauffer dans un autre mode de cuisson pendant Shabbat. Ok, et une deuxième petite question, c'est que du coup, maintenant qu'on sait qu'il y a eu une erreur d'imprimerie de la part des relayeurs, etc., comment ça se fait que nos jours on continue à imprimer des Mishnah Berurah en laissant explicitement cette erreur, en laissant Véasour et pas Véasar? Du Ah, coup, ça, ça faut avait. poser la question, faut poser la question aux imprimeurs. Et du coup, Raph, tous les raves, ils acceptent du coup maintenant la réponse de Rav Yosef, comme quoi il y a marqué Véasar et pas Véasour? Extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est même pas ça. C'est que le Rav Yosef ne s'était pas tenu du tout sur ce Shulchan Aruch de la première édition parce qu'il ne l'avait Ah pas fait à la oui, base. c'est vrai, ok. Il se basait sur l'étude simple et approfondie du Beit Yosef. Le Beit Yosef, il est explicite, il rapporte l'avis du Ravaya, du truc. Mais on comprend de cette étude du Beit Yosef aussi pour quelles raisons il faut changer dans le Shulchan Aruch parce que tout change. Le même, celui qui interdit le mode de cuisson, c'est le même Véasar, c'est lui-même qui a interdit. Il faut faire attention de ne pas mettre dans un cléchiné le pain, etc. Mais le Yesh Matiri, il ne se base pas sur ça. Il se base sur toute la halakha du Shulchan Aruch. Ok, merci beaucoup. Voilà, en espérant avoir pas laissé d'autres personnes sur le bas-côté.